Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Ramzi. Non, mesdames et messieurs, Eric. Ce soir, bonsoir, ensemble, Eric. Nous allons essayer d'apprendre toi, un mot. Ramzi. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Ni Eric. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Avec Eric. Mesdames et messieurs, lui, le mot de ce soir est... Eric, venez ici. Ah, voilà. Le mot de ce c'est soir Eric. Est... Bonsoir, Eric. Bonsoir, Eric. Non, ça, non. Contrepétré. Eric, explique. Au contrepétré. Contrepétré. Comment c'est la définition, s'il vous plaît, Ramzi? Bonsoir, Ramzi. Bonsoir, Ramzi. C'est le, Eric, pour expliquer contrepétri, pour cela, mettons-nous en situation. Là, comme ça. Alors, Eric? Oui. Eric, une partie voilà. d'échec. La situation, voilà. une partie c'est d'échec. C'est Eric. Ah, j'adore les échecs, Eric et Ramzi. Échec au roi, Ramzi. C'est bien, moi, c'est bien. Alors, échec au roi, soit Eric, mais regardez. Ah, ouais, soit Eric. Eric, c'est hop, hop, hop. Échec et mat, Eric. Eric a perdu. M'accordez-vous une revanche, Ramzi? Oui, Eric, je veux bien rejouer avec vous. Ah, bah, je lui accorde donc une contrepétrée. Mm-hmm. Il a gagné la première partie et me propose une seconde partie. Ou contrepétrée. Ça marche pour le tennis, le volleyball, le kayak. Non, le... non, non, pas non. le kayak. Non, pas kayak. Kayak. Mais tous les autres sports, ouais. Tous les autres, ça marche. Pas les sports aquatiques, c'est bon, apparemment. C'est bon, on va amuser. Eric. Nous ne voyons pas d'autres explications. Il s'est trompé encore. C'est toi, Ramzi. Moi, c'est Eric.